Allez, recommence. Puis-je vous être utile ? Armure. Carnage pour la bonne cause. On est où ? On est ici. Allez, va à gauche. Explore Minsk. Oups! Qui c'est que ça? Ouais! C'est infesté d'araignées dans le coin! Alors, hop! Vous désirez? Un bateau de pierre, tiens! Quelle est ma tâche? Aplo, balance une boule de feu! Puis-je vous aider? Tu te loupes pas, hein? Bien. Moins de pardon, Jack. En dépit du bon sens. Avez-vous besoin de mes services? Le serviteur de Dame a tué. Il n'y a pas le choix. Tuez. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Vous désignez prêt à l'attaque. Armure et épée en place. Je peux toujours essayer. Moins de paroles, essayez de me tromper une fois, et la honte s'abattra sur vous. Je ferai mon essayez de me tromper une seconde fois, et attends, qui en veut? Lorsque la situation s'envenimera, il faudra que quelqu'un porte mon rongeur. Tout ce qu'il vous plaira. Dina, boule de feu. Ah, les mages, quand ils commencent à avoir des sorts comme ça, ça devient intéressant. Incultus. Puis-je vous aider? Oui, aux figures autoritaires. Je ferai le mieux. Tuez! Oui. Ce sera fait. Vous désignez la cible, l'union fait la force. Et moi, je compte pour deux ou trois personnes. Oh ! Un gnoll. Oh, quelques gnolls. Ok. Quelle est ma tâche ? Considérez que c'est fait. Avez-vous besoin de mes services ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Si je ne réussis pas du premier coup, moins de paroles, ma femme ne me laissera pas oublier cet échec. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Le chef. L'autre Lind. Qui en veut? Cédez, force du mal. Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster. Yeah.
T'es qui, toi? Oui. Ce sera fait. Qui en veut? Pas un mot! Vous êtes sur les terres de Baruch. Baruch dire partez! Alors partez! Qui est ce Baruch? Et que va-t-il bien pouvoir faire? Moi être Baruch, et vous me mettre en colère. Attaquez-les! Ça, attaquez-les. Avez-vous besoin de cliquer sur quelqu'un de votre taille? Vous désignez la cible et un carnage pour la bonne cause. Ok. Quelques commandos combo, kobold. Oui. Puis-je vous aider s'il n'y a pas le choix? Moins de paroles. Tourne. J'accepte. En défi bon sens. Tu. Les yeux, Cook. Il faut viser les yeux. Avez-vous besoin qu'on peut toujours essayer? Qui en veut? Prêt à l'attaque. Armure et épée en place. Quoi? Oui. Vous désignez la cible et moi, essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Je suis énorme. Moins de paroles lorsque la situation s'envenimera. Il faudra que quelqu'un porte mon rongeur. Il faut se montrer respectueux du patrimoine de Dame Nature. Hop, hop, hop. Sûrement, je ferai de mon mieux. On dirait qu'il se passe quelque chose là-bas. Oui. S'il n'y a pas le choix. Quelle est ma tâche? Que voulez-vous? Voulez-vous bien nous laisser seuls? Vous n'avez rien à faire ici. À vos pelles, homme. Si elle n'est pas déterrée ce soir, ce sont ces ordures de bandits qui s'en empareront. Vous, là-bas, expliquez les raisons de votre présence ici, mais ne bougez pas d'où vous êtes. Je ne voudrais pas avoir à lâcher les garçons sur vous. Du calme, on ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous avez eu de graves ennuis? Si on en a, ouais, et plein encore. Pas un soir sans que nous ne perdions une autre paire de bras dans la nuit. Je jure que si nous pouvions creuser juste quelques instants sans être interrompus... Dites, vous voudriez pas me rendre un petit service? Il y a 100 fois pire que de travailler pour le vieux Nib Charleston. J'aimerais savoir ce que je protégerais. Que faites-vous ici? Vous déterrez des cadavres d'un vieux tombeau? Vous avez en partie raison. Sauf que ce n'est pas une tombe, mais une ancienne colonie. C'est également tout ce qui reste d'une race primitive éteinte depuis longtemps. Nous en savons peu sur leur culture, mis à part qu'ils semblent s'être entretués au cours d'une guerre. Nous allons peut-être en apprendre plus aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'entrer dans l'une des chambres, peut-être le domicile du chaman du village lui-même. Vous pourriez peut-être nous aider. Nous avons besoin de protéger le camp encore un petit moment. Votre simple présence dissuadera probablement quiconque de nous attaquer, bien que je ne sache pas qui nous attaque. Il semble prendre un malin plaisir à effectuer des sabotages mineurs et à enlever nos gens, bien que certains des disparus se soient probablement enfuis par peur. Rien n'est jamais dérobé, ce qui est étrange pour des bandits, mais ce doit en être. Nous aiderez-vous? Ce serait un honneur d'aider des érudits en quête de savoir. Mon Dieu! C'est l'occasion de vivre le jour le plus passionnant de nos fouilles. Nous allons essayer d'atteindre une nouvelle salle aujourd'hui, peut-être les quartiers du chaman ou du chef. Nous pourrions y trouver de très nombreuses reliques. Promenez-vous parmi les hommes, votre présence les rassurera sans aucun doute. Eh bien, soit. Salut à vous. Pourrions-nous juste nous écarter un moment et discuter loin des oreilles indiscrètes? Tout d'abord, je m'appelle Galor. Ensuite, nous n'avons jamais eu cette conversation. Je suis l'associé
de ce vieux monsieur Charleston que vous avez rencontré. Sauf que le côté bénévole de l'affaire ne m'enthousiasme guère. Le vieil homme semble penser que nous devrions faire don de toutes nos découvertes à un musée, alors que je suis bien plus pragmatique que cela. Je pense que certaines personnes paieraient cher pour le trésor magique que nous sommes sur le point de déterrer. Et s'ils en ont tellement envie, qui sommes-nous pour les en empêcher? Je voudrais que vous voliez la chose et que vous retiriez Monsieur Nib de ma petite équation. Êtes-vous à la hauteur? Ta requête des plus malhonnêtes ne consiste qu'en un vol, mais en vérité, accomplir cette tâche nous obligerait à devenir les meurtriers de Charleston et de ses hommes. Je suis certaine que Aplo saura désapprouver une telle infamie. Je devrais tuer beaucoup de travailleurs si j'attaquais Charleston. Ce serait une véritable boucherie, et je ne veux pas y participer. Que le diable vous emporte! Vous ne vous mouillez pas plus que le vieil homme. D'accord, je trouverai d'autres moyens de profiter de ce désastre. Il vaut mieux que vous continuiez votre route, quelle qu'elle soit. Mais non. On est très bien ici, on va pas se laisser intimider. J'ai cours. Oui? Victoire! Nous allons entrer dans la dernière salle. C'est certainement le domicile du chaman. Nous allons enfin savoir à quoi ressemblaient vraiment ces peuples. Oui. Victoire! Nous allons entrer dans la dernière salle. C'est certainement le domicile du chaman. Nous allons enfin savoir à quoi ressemblaient vraiment ces peuples. Tu l'as déjà dit. Hé, patron, je me sens pas très bien. Quel âge a l'air qu'on respire ici? Bonne question, jeune personne. Je pense que nous sommes les premiers à traverser cette salle depuis près de 5000 ans. Les dieux de Netheril étaient jeunes à l'époque. Il fait si froid ici, je me sens bizarre. J'entends une voix dans ma tête. J'entends une voix caverneuse, mais ce n'est qu'un marmonnement. Parlez plus fort et guidez mes mains. Ah ! Vous, je vois qui vous êtes. Votre mort engendrera du pouvoir. Votre sang calmera la voix. Le sang calmera! Oh. Alors, Avez-vous besoin de mes services? Qui en veut? Aplo, je crois qu'il va falloir que tu files. Ce sera fait. Les mineurs deviennent fous! Oh, figure autoritaire, à vos ordres. Enfin, les terrassiers, d'ailleurs, c'est pas des mineurs. Au secours! Mais Dinaïr, qu'est-ce que tu fais? L'union fait la force. Et moi, protégez Nib. Quoi? Oui, je ferai de mon mieux. Décidément. Malheureusement, on n'échappe pas à la boucherie. Le serviteur de dame, qui y a-t-il maintenant? Vous voulez pas non plus qu'on vous repasse votre culotte? Je ferai de mon mieux. Oui? Je pense pouvoir expliquer la folie qui s'est emparée de mes hommes. Ils semblaient crier dans des langues anciennes. Mais j'ai reconnu le mot Kosa. C'est le nom d'une ancienne puissance. Le nom d'un dieu du pandémonium. La tribu qui vivait ici devait vénérer Kosa. Et la destruction qu'il a provoquée. L'artefact qui se trouve dans ce sarcophage de pierre doit être la cause de toute cette effusion de sang. Cet artefact est certainement plus que maudit. Veillez à ce qu'il ne bouge pas de là, et nous scellerons l'entrée. Il est préférable qu'il ne voie jamais la lumière du jour. C'est vraiment triste! Je cherchais à ramener un peu à la vie un peuple éteint depuis longtemps, et regardez les dégâts que j'ai provoqués. Il est sans doute préférable que certaines choses restent enterrées. Voici votre paiement pour le temps passé ici. Nous n'avons plus besoin de vos services. Allez, on range nos affaires, on quitte ce lieu maudit. Gorion serait fier de vous. Voici la fameuse idole de Kosa. Par respect pour les terrassiers morts, nous allons la laisser ici. Ce sera fait. Et suivre le conseil de Charleston.
Oui, ô fille, selon vos ordres. Quelle est ma tâche? Vous désirez... Considérez que c'est fait. Moins de part CD, force du mal. Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt. Oh! Quelle est ma tâche? Considérez que c'est... Moins de paroles et plus de bagarres! Sur mon honneur, je ferai de mon mieux. Qui en veut? Et un carnage pour la bonne cause! Tout ce qu'il vous plaira. Dina. Expédie une boule de feu. J'accepte, en dépit du bon sens. Hein? Ça suffit pas. Puis-je vous aider? Vous avez quelque chose si à accomplir? Si je ne réussis pas du premier coup, ma bonne femme ne me laissera pas oublier cet échec. Armure et épée en place. Ah, ça suffit pas du tout? Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Avez-vous c'est tout, les amis. Vous, lorsque la situation s'envenimera, il faudra que quelqu'un porte mon rongeur. Sur mon honneur, j'ai cours. Moins de paroles. Il y a des araignées en liberté. Ils ont fait la force. Et moi, je compte pour deux ou trois personnes. Quoi? Le serviteur de Dame Nature attend. Ça ira. Oui, ce serait un endroit idéal pour ériger un gromlek. Oh non, c'est Khalid qui s'est fait... Qui en veut? Cédez, force du mal. Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster. Vous délez un carnage pour la bonne cause. Donc j'accepte. Mais il y a une araignée bon qui sens. Est quelque part là. Hein. J'aime pas ça. Avez-vous besoin de cliquer sur quelqu'un de votre taille? Qui en veut? Bon. Oui, ce sera fait. Vous et un carnage pour la bonne cause. Donc j'accepte, en dépit du bon sens. Lorsque la situation s'envenimera, il faudra que quelqu'un porte mon rongeur. Je vais vous chauffer le derrière, et si vous continuez à m'embêter!
Je vous en supplie, n'allez pas plus loin. Brage est là-dedans, dévasté par le carnage qu'il a provoqué. J'ai essayé de lui faire entendre raison, mais il semble possédé par l'âme d'un autre. C'est tout ce que j'ai pu faire avant de fuir sa terrible lame. Je vous en prie, à moins que vous ne souhaitiez voir les ravages de la folie sur un homme qui fut bon autrefois, laissez-le en paix et priez pour que cet esprit le délaisse au plus vite. Qui est ce Brage dont vous parlez? Avant que cette malédiction ne le frappe, il était capitaine de la garde à Nashkel. Je suis sa cousine, Larissa. Au nom de tous les liens de l'amour et du sang, sauvez-le de son agonie, si toutefois c'est possible. Eh bien, on va essayer. Bonjour. Vous m'avez trouvé alors que je n'y arrivais pas moi-même. Je vous implore de laisser des miettes pour que nous retrouvions notre chemin. Les autres ne l'ont pas fait, alors ils ont décidé de rester. Voulez-vous que nous essayions ensemble? Voici une devinette, dont je connaissais la réponse, mais que j'ai oubliée. Si vous me la rappelez, nous reviendrons tous à la lumière du jour. Si vous perdez, vous resterez avec moi dans les ténèbres, et oublierez d'où nous venons. Il n'a ni bouche ni dents, pourtant il mange quand même sa nourriture. Il n'a ni village ni maison, ni mains ni pieds, pourtant il erre partout. Il n'a ni pays, ni outils, ni bureau, ni stylo. Pourtant, il est toujours prêt à se battre. De jour comme de nuit, des gémissements se font entendre. Il n'a pas de souffle et pourtant, il apparaît à tous. Eh bien, la réponse à ta devinette, mon petit Brage, c'est la mort. La fin de la nuit. La lumière brille dans mon regard et mon esprit voit clair comme avant. Qu'ai-je fait? C'est horrible, horrible! Je serai heureux dans la cellule qui m'attend à Nashkel. Comment puis-je vivre après ce que j'ai fait? Par pitié, vous devez m'escorter jusqu'à la ville, afin que je puisse payer pour mes crimes. Je ne pense pas pouvoir garder ma raison très longtemps, et il faut m'empêcher de recommencer. Trop de gens bien ont perdu la vie par ma faute, je vous en supplie. Donc Brage, c'est le capitaine de la garde de Nashkel, dont la tête est mise à prix par Oublek. Mais le prêtre Nalin du temple souhaitait lui apporter la rédemption. Nous allons faire notre possible pour vous ramener vivant, bien que je ne vois pas en quoi le fait de vous tuer pourrait aider ceux qui ont déjà péri. Nous allons vous emmener au temple de Home, en espérant que vous pourrez y être guéri. Vivant ou mort, je crains de ne pouvoir rien faire pour ceux à qui j'ai causé du tort. Je ne sais toujours pas ce qui m'a fait agir ainsi. Il y avait comme une présence étrangère dans mon esprit. Je suppose que j'ai fini par succomber à la fatigue des combats. Prenez mon arme, pour que je ne puisse plus nuire à personne. Utilisez-la si vous voulez, bien que je préférerais que vous la détruisiez. Elle est tachée du sang d'innocents. Je venais juste d'acheter l'épée. Quel gâchis! Ramenez-moi à Nashkel, je ne peux plus supporter tout cela. Eh bien, ça tombe bien, c'est notre destination. Bonjour. Non, je ne peux pas me montrer ici après ce que j'ai fait. Livrez-moi à la garde, que je puisse recevoir le châtiment que je mérite. Ne me faites pas plus honte devant Home. Calmez-vous, Brage. Home est omniscient et sait bien plus de choses que vous. Ce sont bien vos mains qui ont accompli ces actes insensés. Mais non votre volonté. Seule la volonté compte, et la vôtre était influencée sans que vous ne le sachiez. Justice sera donc faite. Vous expirez votre crime, mais n'encourrez aucune punition. Pardonnez plutôt que punir. Tu es un homme de bien, Nalin. Tu es aussi sage que les autres lords que l'on trouve dans mon pays. J'espère que tu as appris une bonne leçon sur la justice aujourd'hui, Aplo. Mais mes crimes, ma famille, je ne peux plus continuer. Si vous retournez à la garnison, vous allez à une mort certaine. Ce serait dommage, car quand bien même brisé, votre vie peut encore se révéler utile. Home veillera sur vous. Quant à vous, mes intrépides amis, vous recevrez la prime offerte par Oublek. Après tout, dans les deux cas, il s'agit de rendre Brage à la justice. Le temple vous sera redevable du retour de son fils perdu. Ce groupe promet énormément. Très bien. Alors, pendant que j'y suis, monsieur... Je ferai de mon mieux.
J'ai besoin de vos services. Veille sur vous conformément à votre demande. On a, comme qui dirait, besoin de ressusciter la petite. Et il me semble bien qu'il y a des... Oui, trois parchemins de rappel à la vie. On n'a pas assez d'argent, mais... On va vendre des pierres précieuses. Gorion, vous serez fier de vous. Ce sera fait, oui. Je n'aime pas la tour. Je ferai de mon mieux. Camaraderie, aventure et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Un bout. Mon ami, que voulez-vous ? Nous avons besoin de vendre du matériel. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. Eh bien, si ce n'est pas ce chouette tracker qui m'a rapporté cette fourrure de loup des glaces, puis-je vous présenter quoi que ce soit de mon humble boutique ? Mais oui. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Bon, je me suis reconstitué un petit pactole. Considérez que c'est fait. On l'utilisera demain. Allons nous coucher. Je ferai de mon mieux. Dis-moi mon bon mieux. Qui en veut ? Je n'aurais pas laissé des choses. Et un carnage pour la bonne cause. Dans ce coffre la dernière fois. Si, tiens, des scabs de bandits et des potions. Oui. Ce sera fait. Allez, au dodo. Ici, on n'a jamais eu de rats. Non, mon bon monsieur. Soyez raisonnable et ne sortez pas ce soir. À ce qu'on dit, il se passe un tas de choses bizarres la nuit. Oui, mais on veut pas sortir, on veut dormir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une chambre à l'auberge. Considérez que c'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Quelle est ma tâche ? Je ferai de mon mieux. Oh mince ! Bon bah on n'aura qu'un seul sort d'amitié, hein. Et encore, une fois qu'on sera plus étourdi. Quand cette icône-là disparaîtra. Te loupe pas cette fois. Bonjour, mon ami. Eum veille sur vous conformément à votre demande. Ah, des aventuriers intrépides à notre porte. Eum veille sur tous les royaumes et ses serviteurs sont à votre service. Le justicier se tient prêt à soulager vos maux et ainsi à détourner le regard inébranlable du grand guide. En échange d'un don raisonnable, s'entend. Bien. Eh bien, maintenant que tu as sorti ton joli petit speech, je vais t'acheter... tes trois parchemins de rappel à la vie. Hein ? J'ai plus de place dans mon inventaire. Voilà. Sur mon honneur.
Parce que la dernière fois, j'en ai utilisé deux. En route pour le festival.